Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Au-dessus de nos têtes, ces capsules d'astronomie interactives qui ont lieu en direct toutes les 2 semaines. Alors bienvenue, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Ce soir, je suis accompagnée de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, concepteur et éducateur scientifique qui nous aide à la technique. Bonsoir Maxime. Hey, salut Myriam, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ouais, je vais très bien, merci. Et J'ai réussi à régler mon problème de son juste avant d'apparaître à l'image, sinon Ah! nous aurions eu un beau feedback. Yes! On est content de ne pas entendre cette douce musique de feedback de micro à nos oreilles. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Martine qui nous aide, aussi notre collègue qui nous aide avec les commentaires sur Facebook. Donc, toujours un énorme merci à Martine qui nous aide à rendre les au-dessus de nos têtes possibles. Oui, effectivement. Et on remercie tous nos spectateurs qui sont fidèlement avec nous. Peut-être qu'on en aura perdu quelques-uns pour le match de hockey ce soir, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ont abandonné depuis peut-être 2 matchs ou 2 décennies. Donc, ouais, je pense qu'on vous êtes mieux ici. Vous êtes mieux ici. Oui, puis. Mais si vous voulez quand même écouter vos matchs de hockey ou profiter du beau temps, ben comme vous le savez, peut-être ou pas, toutes nos capsules au-dessus de nos têtes sont disponibles pour la réécoute. Donc sur la page Facebook d'Espace pour la vie ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez, si vous manquez un petit bout, que vous voulez nous réécouter ou si vous voulez écouter des anciennes capsules qu'on a faites depuis maintenant le mois d'août passé, ça commence à faire un petit bout maintenant. Vous pouvez toutes les réécouter, elles sont en ligne. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, téléspectatrices ou à nos habitués qui sont déjà là. On vous salue puis on est très contents de vous revoir en grand nombre. Alors, je rappelle pour les nouveaux, les nouvelles qui se joignent à nous, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On fait notre possible pour répondre à vos questions qui ont rapport le plus possible avec le sujet. On essaie d'y répondre de vive voix et sinon je fais toujours un tri des commentaires et de vos questions le soir même ou les jours suivants pour m'assurer que tout le monde ait une réponse à leurs questions. Excellent. Et oui, je n'hésiterai pas à apparaître pour te faire suivre certaines de ces questions-là en direct, celles que je jugerai les plus intéressantes pour tout le monde. Et puis, je vais peut-être aussi répondre à certaines d'entre elles directement par clavardage sur le fil de discussion. Oui, merci. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a un thème tout spécial qu'on a concocté pour vous. Donc, le soleil s'éclipse. Alors, comme vous pouvez le deviner, on va vous parler des éclipses et plus particulièrement des éclipses de soleil. Parce que dans très exactement 2 semaines, ou en fait dans moins de 2 semaines, ça va être le 10 juin au matin, il y aura une éclipse annulaire de soleil. Qui va être visible et au Québec, on pourra la voir. Dans le sud du Québec, elle sera partielle, mais tout de même, c'est un beau phénomène à observer. Donc, on va justement aujourd'hui démystifier un peu qu'est-ce que c'est que les éclipses, pourquoi ça se produit, comment ça se produit et comment les observer de façon sécuritaire, sans se brûler les yeux. Et quand est-ce que, où on peut faire ça? Il y a toutes plein d'informations pour nos chasses à l'éclipse. Super, et oui, et j'hésiterai pas à réapparaître parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui nous passionne. Mais oui, d'ailleurs, Maxime puis moi, on a eu l'occasion de voir une éclipse totale ensemble en plus. Ouais, en 2017, on a fait 16 heures de route pour se rendre jusqu'au Kentucky donc aller assister à une éclipse comme ça. C'était assez épique comme trip, ouais, effectivement. Donc, on va vous parler justement un peu plus tard, non pas de notre voyage, mais de l'éclipse de 2017, avec peut-être des anecdotes de voyage, si vous êtes gentil et que vous en voulez. Parfait. Ouais, ceci dit, bon, là, on se gratifie un peu d'avoir vu une éclipse, là. Les chasseurs d'éclipses qui en ont vu seulement qu'une, eux, y en a qui en ont vu beaucoup plus que ça, hein. Lorsqu'on Oui. commence à en voir, là, souvent, ça devient une passion, puis on se met à chasser des éclipses un peu partout, sur la planète. Et je comprends pourquoi. Voilà. Bon,
Sans plus tarder, on commence tout ça. Alors, aujourd'hui, on va commencer directement par le sujet du jour, les éclipses, et on va aller voir le ciel étoilé plutôt à la fin. Et on va d'ailleurs voir une bande-annonce, là, mais un petit aperçu de ce qui nous attend le 10 juin prochain pour l'éclipse partielle qu'on va pouvoir voir de Montréal. Mais commençons par les éclipses. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, les éclipses, hein, tout d'abord, là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'éclipses, tout dépendant de l'objet qui va être éclipsé, donc l'objet qui va nous paraître caché, en fait. Donc, il y a une éclipse qu'on appelle l'éclipse lunaire. Alors, pour une éclipse lunaire, en fait, ça va être la Lune qui va être dans l'ombre de la Terre. Donc, elle va paraître de plus en plus sombre et éventuellement, quand elle va vraiment être dans l'ombre de la Terre, elle va nous paraître rouge. Parce que la seule lumière qui s'y rend, c'est en fait les rayons du soleil qui ont courbé, qui ont passé à travers l'atmosphère de la Terre pour lui donner cette teinte rougeâtre. Donc, peut-être que vous avez entendu parler hier, au cours de la nuit, mais il y avait une éclipse, au cours de la nuit dernière, il y avait une éclipse lunaire, mais qui était visible aux États-Unis ici. On ne voyait pas, ce n'était pas spectaculaire. Il y avait juste une petite partie et c'était vraiment, moi je considère qu'il n'y avait pas vraiment d'éclipse pour nous ici. Mais peut-être que ceux qui suivent les nouvelles en anglais, vous en avez entendu parler parce que c'est arrivé aux États-Unis. Alors, ça, c'était pour notre éclipse lunaire. Alors, c'est la Lune qui est dans l'ombre de la Terre. Pour les éclipses solaires, donc c'est le Soleil qui va être caché. Il va être caché par la Lune. Donc, nous, depuis la Terre, en fait, ça va être nous qui va être dans l'ombre et on va voir le Soleil être masqué par la Lune, soit partiellement ou en totalité. Donc, il y a plusieurs sortes d'éclipses solaires qu'on peut voir, tout dépendant de comment le Soleil, la Lune et la Terre vont être agencés les uns par rapport aux autres. Donc, on va avoir des éclipses partielles lorsque seulement une partie du Soleil va être cachée par la Lune. On va avoir une éclipse annulaire lorsque la Lune va être devant le Soleil, mais elle n'arrive pas à le masquer au complet. Elle semble trop petite dans le ciel par rapport au Soleil. Donc, un anneau de Soleil va être visible autour, d'où le nom de l'éclipse annulaire de Soleil. Et on a finalement la fameuse éclipse totale. Donc, la Lune vient masquer la totalité, l'entièreté du Soleil dans le ciel. Donc, pendant un bref moment, notre étoile disparaît dans le ciel et en plein jour, on peut même voir des étoiles. Donc, c'est un phénomène assez spectaculaire. Alors, ça, c'est nos trois types d'éclipses solaires qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, d'abord, regardons un peu ce qui se passe avec l'ombre de la Lune. Okay? Donc, si vous regardez bien ici l'ombre de la Lune, voyez-vous qu'il y a des parties de son ombre qui sont plus sombres que d'autres. Donc, la partie la plus sombre, qui est directement derrière la Lune, on va appeler ça l'ombre, et les parties sur le côté qui sont moins sombres, ça va être plutôt la pénombre. Et lorsque la Terre vient s'immiscer là-dedans, eh bien, il y a une petite partie sur Terre où on va être dans l'ombre de la Lune. Et la petite partie sur Terre où on est vraiment dans l'ombre de la Lune, ça va être la zone de totalité. Donc, la région où on va pouvoir observer une éclipse totale de Soleil. Les parties sur le côté, donc autour de cette zone de totalité, eh bien, ce sera plutôt les zones de partialité. Donc, où on va pouvoir observer l'éclipse partielle de Soleil. Et plus on s'éloigne de la zone de totalité, eh bien, plus l'éclipse partielle, en fait, moins le Soleil, en fait, il va être caché par la Lune. Donc, lorsqu'on est près de la zone de totalité, il y a une grosse partie du Soleil qui va être masquée et plus on s'en éloigne, plus ce sera juste un petit bout du Soleil qui va être caché par la Lune. D'ailleurs, si on regarde ici comment nos astres
sont alignés. Donc, vous remarquez, peut-être que ceux qui sont capables de savoir ça, ce que vous êtes capable de deviner en ce moment, ce serait quelle phase de la Lune qu'on peut voir depuis la Terre. Donc, pendant une éclipse solaire, c'est obligatoirement la phase de la nouvelle Lune. Donc, lorsque on a la Terre qui est ici, et j'ai oublié d'amener ma Lune, elle est trop loin, mais donc lorsqu'on a la Terre ici, et disons que vous êtes le Soleil, lorsque la Lune, elle est à l'opposé ici, eh bien, l'entièreté de la Lune va être éclairée, ça va être la pleine Lune. Alors que lorsqu'elle est sur un des côtés, dans son orbite autour de la Terre, eh bien, là, ça va être des quartiers de Lune. Et lorsqu'elle va être, en fait, entre la Terre et le Soleil, là, ce sera la phase de la nouvelle Lune. Je venais juste à apparaître pour te suggérer de prendre Mercure. Elle ressemble beaucoup à la Lune, hein? D'autant plus en forme de toutou. Mais oui. On va juste lui cacher ses petits souliers rouges. Oui. On n'y verra que du feu. On n'y voit que du feu. Donc, pour récapituler, je ne sais pas si... on va refaire ça là, juste pour être sûr. Alors, si vous êtes le Soleil, on a la Terre ici. Lorsque la Lune, elle est derrière la Terre, comme on pourrait dire par ici, eh bien, on a toute l'entièreté de la face de la Lune qui va être éclairée. Et donc, ça va être une pleine Lune. Lorsqu'elle est sur un côté ici, ce sera un quartier de Lune qu'on pourra voir. Ensuite, ici, on a une nouvelle Lune et de nouveau un quartier de Lune. Donc, pour notre configuration, comme on voit à l'écran présentement, donc c'est pendant la phase de la nouvelle Lune, nécessairement, qu'on a des éclipses de Soleil. Et donc, c'est assez extraordinaire quand même qu'on puisse voir des éclipses totales de Soleil. Parce que, si vous y pensez, là, la Lune et le Soleil, bien, ils ne sont pas du tout la même grandeur. Okay, ce sont des astres de grandeur complètement différente. Le Soleil est beaucoup plus gros que la Lune, mais il est aussi beaucoup plus loin. Donc, en fait, pour vous donner une idée, eh bien, le Soleil, il est environ 400 fois plus gros que la Lune en termes de rayon ou de diamètre. Par contre, le Soleil, il est aussi environ 400 fois plus loin de la Lune que la Lune de nous. Donc, si on regarde ça ici, donc ça, c'est à l'échelle, les tailles des astres ici. Mais si maintenant, on les éloigne pour avoir les distances et les tailles des astres à l'échelle, donc on se rend compte que tout ça, c'est vraiment très, très loin. Hein. Dans l'espace, là, l'espace, bien, c'est plein d'espace. C'est rempli de vide. Alors, la Lune, même si elle est beaucoup plus petite, elle est aussi beaucoup plus proche. Et ça fait en sorte que si tout ça est aligné là, vraiment parfaitement, eh bien, la Lune et le Soleil dans le ciel, ils ont la même taille apparente. Et parfois, si on est chanceux, ils vont s'aligner correctement pour nous permettre de voir des éclipses totales de Soleil. Donc, c'est quand même assez extraordinaire que tous ces astres arrivent à s'aligner pour qu'on puisse avoir un si beau spectacle dans le ciel. Tantôt, j'ai dit que les nouvelles lunes, les éclipses arrivaient lors de la nouvelle lune. Mais est-ce qu'elles arrivent à chaque nouvelle lune? Et pas vraiment. Non. En fait, c'est pas à chaque nouvelle lune que la lune va arriver devant le soleil du point de vue de la Terre. Donc vraiment alignée, là, directement devant. Parce qu'en fait, l'orbite de la lune, elle est inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, le plan Terre-Soleil, que je vais appeler. Donc, si on voit une exagération, en fait, l'orbite de la Lune, elle est inclinée de 5 degrés environ par rapport à notre plan Terre-Soleil. Donc, ça veut dire que des fois, la Lune, quand elle tourne autour là, de la Terre ici, j'essaie de reprendre... Donc, la Lune, la Terre, donc parfois, elle passe direct devant. Parfois, quand elle va tourner, elle va passer un petit peu en haut comme ça. Parfois, elle va passer un peu en bas comme ça. Donc, tout dépendant du moment où la Lune tourne autour de la Terre et où la Terre est rendue autour du Soleil, eh bien, des fois, lorsque c'est la nouvelle Lune, comme ici, donc la Lune, elle va être en dessous de notre plan Terre-Soleil.
Parfois, il va être au-dessus et il faut qu'elle soit juste bien alignée pour que là, il y ait une éclipse. Donc, il faut que la Lune, son orbite, croise le plan Terre-Soleil pendant qu'elle est en phase de nouvelle Lune pour que là, il y ait une éclipse totale de Soleil. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qu'il faut qu'ils soient alignées pour arriver à voir ce phénomène-là. Donc, c'est pour ça que ça n'arrive pas tous les jours ou tous les mois. Certainement pas depuis un lieu donné sur Terre. Parfois, il faut attendre des centaines d'années pour pouvoir voir une éclipse d'une certaine place sur Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez rare qui vaut la peine d'être observé lorsque ça arrive. Est-ce que jusqu'à date, ça va ou on a des questions par rapport à tout ça? Oui, salut Myriam. On avait quelques questions. Tout d'abord, Lisanne Dubot qui se demandait si ça prenait des lunettes spéciales. Eh bien oui, sans vouloir voler de punch, nous allons en parler et nous allons vous transmettre des liens pour avoir plus d'informations là-dessus aussi. Tony Ravin qui nous demande, la distance Terre-Lune peut-elle faire en sorte qu'il n'y ait pas de partie totale? Ben oui, ça aussi effectivement. Mm-hmm. C'est le cas particulier des éclipses annulaires, telles que l'éclipse du 10 juin, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais oui, donc la distance de la Lune entre la Lune et la Terre n'est pas toujours fixe, et c'est ce qui fait en sorte donc que parfois on n'a pas une éclipse totale. Ceci dit, c'est pas la seule raison pour laquelle il n'y a pas nécessairement d'éclipse totale, comme tu l'as dit parfois. Mais moi pas toutes mes punches là, Maxime. Ben ouais. Ok, c'est bon, j'arrête. Fait que c'était les deux questions, je crois, que nous avions à l'instant. Oui, voilà. Parfait. Tu as fait un petit teaser de ce qui s'en vient, là. Exactement. Donc, alors voilà pour nos éclipses totales. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas à chaque nouvelle lune, donc à chaque mois environ? Et de quoi ça a l'air dans le ciel quand on voit une éclipse? Donc, même lorsqu'elle est totale, donc, ce que vous allez voir dans le ciel, c'est pas un soleil normal et tout à coup, boum, une éclipse totale. Ça passe tout d'abord par les phases partielles. Donc, initialement, vous allez voir le soleil, donc vu avec de façon sécuritaire, avec des lunettes, par exemple, comme ça. Ça, c'est une photographie avec un filtre spécial pour observer le soleil. Donc, tout d'abord, on voit le soleil, puis on voit on dirait qu'il manque un petit bout. Comme si quelqu'un avait pris une petite bouchée du soleil et tranquillement, pas vite, eh bien, éventuellement, la bouchée qui manque est de plus en plus grosse. Éventuellement, on va voir plutôt ce qui ressemble à un croissant de soleil. Donc, on est habitué de voir des croissants de lune, mais des croissants de soleil, c'est assez spécial à voir dans le ciel. Et éventuellement, donc, à un moment donné, là, il y a juste un fin croissant de soleil et le moment pile où la Lune est alignée directement devant le Soleil et qu'elle le bloque complètement. Là, on a vraiment la phase de totalité et il y a une espèce de halo lumineux qui tout à coup se dévoile autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la couronne solaire et je vais en parler un petit peu plus tard. Cette couronne solaire, en fait, elle est toujours là. C'est une région donc autour du Soleil. C'est du gaz très, très chaud qu'il y a autour de notre Soleil, mais la couronne solaire, elle est moins brillante que la surface du Soleil. Donc, lorsqu'on voit le Soleil dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à voir la couronne solaire parce on est ébloui par la surface du Soleil qui est plus brillante. Et lorsque la Lune qui vient cacher la surface du Soleil, eh bien là, c'est le seul moment où on peut observer la couronne solaire. Donc, c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir voir cette couronne. Et là, la phase de totalité, là, ça ne dure pas longtemps, hein, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes. Parfois, ça dure quelques secondes, parfois, ça dure quelques minutes. Nous, lorsque Maxime et moi, on l'a vu en 2017, ça durait, si je me souviens bien, environ 2 minutes et demie. Là. Jamais 2 minutes et demie dans ma vie ont passé si vite. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on savoure chaque seconde. Et lorsque c'est fini, ben, éventuellement, la Lune, elle continue son chemin. Donc, à un moment donné, ben, fini l'éclipse totale. Donc, il y a tout à coup un croissant de soleil qui refait surface. Et là, la couronne disparaît parce que la luminosité de la surface du soleil est de nouveau dans le ciel et vient de nouveau nous éblouir et cacher la couronne solaire. Et là, tout à coup, le,
le soleil semble redevenir un peu plus gros. Donc, comme ceci, jusqu'à finalement redevenir un peu comme on le connaît dans le ciel. Et donc, il y a beaucoup d'astrophotographes qui vont photographier les éclipses et ensuite faire un montage comme ça, donc de voir les différentes phases partielles de totalité, etc. Moi, j'aime beaucoup regarder toutes ces belles images-là. Je trouve ça quand même assez impressionnant à observer après. Vraiment des gens talentueux. Hein. Et donc, revenons maintenant sur la couronne solaire, qui est vraiment assez incroyable. Donc, quand on la montre comme ça ici, là, donc juste un petit halo blanc autour d'un rond noir, c'est quand on la photographie comme ça. Mais dans le ciel, c'est beaucoup plus impressionnant, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus lumineux que ça. Donc, une image qui nous donne un peu une idée. Donc, une première image, c'est celle-ci, qui nous montre la couronne solaire, donc cette espèce de chevelure lumineuse qu'on voit ici. Donc là, vous pouvez vraiment voir, là, donc ça, c'est une superbe photo. Là. Je pense que c'est définitivement plusieurs photos qui ont été combinées ensemble avec différents paramètres d'exposition et tout. Donc, ça nous permet de voir, on arrive à distinguer la Lune au centre, ici. Sur le côté en rose, on arrive à voir des petites éruptions solaires. Et autour, donc, on voit cette chevelure, la couronne solaire. Mais à l'œil nu dans le ciel, ça n'a pas l'air exactement de ça. Donc, on n'arrive pas à distinguer la Lune. En fait, ça fait vraiment comme une sphère noire, là, d'un noir là, le plus intense que vous avez vu de votre vie. Et là, vous avez autour cette chevelure de lumière. Et c'est quand même assez gros dans le ciel. C'est assez impressionnant. Et ça, on peut l'observer à l'œil nu. Donc, c'est le seul moment où on peut observer le soleil à l'œil nu. C'est pendant une éclipse totale. Quand je dis totale, là, c'est pas 99%, là. C'est 100%. C'est important de se chronométrer parce que, si exemple, vous avez 2 minutes 30, vous ne voulez pas être en train de regarder le soleil lors d'une éclipse totale et que la Lune se tasse et que là, tout à coup, la phase totale est finie et que là, il y a plein de nouveaux rayons du soleil tout lumineux qui viennent dans vos yeux, dommager vos yeux. Donc, c'est important de... Nous, par exemple, on avait mis un chronomètre. Et lorsqu'on sait que la fin de l'éclipse s'en vient, là, le cœur nous brise, mais il faut détourner le regard et arrêter d'observer le soleil dans le ciel parce que c'est trop dangereux. Donc ça a l'air un peu de ça dans le ciel. Puis, hey, Myriam, je veux juste embarquer parce que la façon que tu décris ça, et souvent c'est de la façon que c'est perçu, c'est que un seul petit regard fuyant vers une éclipse de soleil qui est en train de se terminer va tout de suite nous rendre avec. C'est pas si clair que ça. C'est un peu comme le soleil en plein jour. On peut tourner le regard, on va passer dessus durant un quart de seconde et c'est pas vraiment dommageable. C'est un peu la même chose avec des petits rebords de soleil lorsqu'il revient. Là, si durant un quart de seconde on l'observe, c'est pas si dommageable. Ce qui est dangereux, c'est que c'est tellement plus fin que le soleil au complet et moins éblouissant qu'on peut avoir l'impression que ça peut être encore sécuritaire de l'observer plus longtemps que juste un petit regard fuyant comme ça, le temps de détourner le regard justement. Alors qu'en réalité, oui, il y a quand même assez de rayons UV qui viennent à nos yeux pour que ça puisse être dommageable si on pousse notre luck, comme on dit en bon anglais. Voilà. Donc, oui. Mais corrige-moi si je me trompe, mais moi, j'avais compris que... Hein, écoute, moi, je suis pas une spécialiste des yeux, là. Je suis une spécialiste d'astronomie, mais je pensais que, justement, c'était particulièrement dommageable à la fin d'une éclipse parce que lorsqu'on observe l'éclipse totale, nos yeux, tu sais, sont dans le noir, donc notre pupille, elle est vraiment dilatée. Et là, c'est comme si elle est dilatée puis tout à coup, elle reçoit comme une impulsion de lumière, tandis que si on regarde le soleil dans un après-midi régulier, bien déjà, nos pupilles sont déjà un peu plus habituées à la clarté. Donc, tu sais, un petit regard fuyant fait moins de dommages parce que nos pupilles sont déjà fermées pour essayer de laisser rentrer le moins de lumière possible. Oui, effectivement, c'est un bon point que tu amènes là. J'imagine que ce sera un peu l'équivalent de si on sort d'une pièce intérieure qui est relativement sombre et tout d'un coup on arrive à l'extérieur que c'est assez lumineux. C'est ça. Fait que bref, dans tous les cas, regardez pas le soleil avec les yeux directement. Ouais.
Et non, une paire de lunettes régulières n'est pas une bonne manière d'observer le soleil. Et on va pas pousser notre luck. Je vous conseille que si jamais vous voyez un jour une éclipse totale, mettez-vous un petit chronomètre pour éviter de tester si c'est plus Maxime ou moi qui avons raison. Je veux pas que vous mettiez vos petits yeux en danger pour tester ça. Absolument. Et c'est vraiment d'autant plus important si jamais on fait l'observation aux instruments, etc. Donc là, il y a vraiment pas de chance à prendre, c'est certain. Et puis, l'éclipse s'apprécie très, très bien aussi au travers des lunettes. C'est vraiment magnifique aussi. Oui. Et d'ailleurs, justement, un peu plus tard, on va parler de comment on peut l'observer de façon sécuritaire. Donc, vous inquiétez pas, on arrive à ça un peu plus tard. Donc ça, c'était une image qu'on peut voir lors d'une éclipse totale. Une autre qui donne... Celle-là est quand même assez zoomée sur le soleil. Mais de quoi ça a l'air, là, ça a vraiment l'air de quelque chose comme ça. C'est Maxime qui a trouvé cette magnifique image sur Internet. Et je pense que c'est vraiment une de celles qui représente le plus ce qu'on peut voir dans le ciel. Donc quand c'est vraiment une éclipse totale, là, donc juste avant que ça vienne total, la luminosité quand même ambiante commence à descendre. Il y a même des lampadaires, des rues qui vont s'allumer comme c'était le coucher du soleil. Et lors de l'éclipse totale, donc on arrivait à voir les planètes et les étoiles les plus brillantes dans le ciel tellement qu'il faisait assez sombre. Et là, on a vraiment cette énorme boule noire dans le ciel entourée d'une chevelure lumineuse. Donc, ça avait vraiment, c'est très magique là, comme expérience et je vous souhaite de pouvoir observer ça un jour dans votre vie. C'est vraiment à couper le souffle. Et donc, ça, c'est pour nos éclipses totales de soleil. Mais de quoi ça a l'air hein, depuis l'espace? Parce que là, on a vu depuis la Terre de quoi ça a l'air dans le ciel, mais c'est assez spécial de voir cette éclipse-là dans l'espace, dans le sens de quoi ça a l'air si on regarde la Terre depuis l'espace. Donc ça, c'est une image prise par depuis la Station spatiale internationale par un des astronautes et on peut voir justement une grosse ombre sur Terre. Donc c'est l'ombre de la Lune pendant une éclipse totale. Et si on regarde ici, c'est une petite animation qui nous montre, faite à partir de données, de vraies images, qui nous montre l'éclipse qu'il y a eu en août 2017, qui a traversé les États-Unis, cette éclipse totale. Donc, on peut voir ici l'ombre de la Lune se déplacer à travers les États-Unis comme ça. Donc, les endroits qui vont se trouver sous cette ombre pourront voir l'éclipse totale. Si on prend un petit moment pour décortiquer tout ça, donc, on voit ici, je vais faire pause, OK. Donc, vous voyez le petit point rouge qui est ici. Donc, ça, c'est vraiment l'ombre de la Lune. Donc, c'est les endroits où on peut voir l'éclipse totale. Et ensuite, les zones orange, orange pâle et jaune, c'est les endroits où on peut voir l'éclipse partielle. Donc, plus la zone elle est foncée, eh bien, plus une grande portion du soleil va être cachée. Donc, vous voyez quand même que l'ombre de la Lune, là, c'est vraiment un tout petit point là, qui est lorsque ça atteint la Terre. Et là, elle va traverser les États-Unis et les endroits, en fait, qui vont être traversés par ce petit point rouge qui est cette zone de totalité. En fait, on va appeler ça la bande de totalité. Donc, ce sont les endroits sur Terre où on va pouvoir voir l'éclipse totale. Donc, dans le cas de l'éclipse de 2017, on peut voir que la bande de totalité traversait les États-Unis. Donc, au Canada, on peut voir les phases partielle. D'ailleurs, du Québec, comme on peut voir ici en bas à droite, on peut voir qu'il y a quand même une bonne partie du soleil qui était cachée par la Lune. Donc, on peut voir un beau croissant de soleil. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, Maxime et moi et d'autres de nos amis, on était allés jusqu'au fin fond du Kentucky pour observer l'éclipse totale. Mais au Planétarium, à Montréal, on avait fait un gros événement pour l'éclipse partielle qui était quand même assez impressionnante. Et ça paraît que c'était
avant la COVID, donc on avait il y avait des milliers de personnes qui étaient venues au planétarium pour observer l'éclipse partielle. Donc c'était vraiment ça avait l'air d'être quelque chose quand même tout ça. Donc plein de gens, c'est un bel événement l'éclipse pour observer le ciel, puis en apprendre un peu plus. Et donc toujours le fun à observer. Myriam. Oui. Petite question pour toi. Sur l'image où on voyait bien la couronne solaire, on a quelqu'un, MB, je crois, qui pose la question. Les cheveux de la couronne solaire, ça vient de où? Est-ce que c'est du champ magnétique, les petites loupes qu'on voit, par exemple? Si je me souviens bien, donc la couronne, c'est vraiment... elle va vraiment quand même influencée par le champ magnétique du Soleil, mais c'est du plasma très, très chaud. Mais du plasma, c'est du gaz ionisé, donc qui contient des particules chargées et donc qui va être confiné par le champ magnétique, donc qui va un peu suivre là où se trouve le champ magnétique. Alors, de façon simple, effectivement, les espèces de boucles qu'on voit sont liées à l'activité magnétique du Soleil. Oui, d'ailleurs, je me rappelle avoir vu des belles animations qui montraient des modélisations du champ magnétique précédant l'éclipse à partir de différentes mesures, et on était capable de modéliser la forme que la couronne solaire devrait avoir au moment de l'éclipse, et ça correspondait quand même plutôt bien. Donc, qui testait cette hypothèse-là. Aussi, on voit sur cette image-là des petites protubérances, qui sont des régions de gaz un petit peu plus chaudes là, de la photosphère, qui sont soulevées aussi par le champ magnétique solaire qu'on peut voir dépasser parfois là, durant l'éclipse totale. Une autre question aussi par rapport à la deuxième photo, je crois qu'on voyait, je ne suis pas tout à fait certain, mais on posait la question, c'est quoi la lueur qu'on voit à l'horizon à gauche? Ah, ben c'est peut-être une ville. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est... Parce que lorsqu'on se trouve dans l'ombre de la Lune, ben, l'ombre de la Lune a quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de diamètre. Mais ça, c'est pas une ombre qui est immense. Là. C'est pas large comme la Terre. Ouais. Donc, il y a la région dans laquelle on se trouve à être dans l'ombre de la Lune. Mais parfois, à quelques dizaines de kilomètres de nous, l'atmosphère de ce côté-là va être encore éclairée par la lumière du Soleil. Et donc, on peut voir l'ombre arriver, donc l'horizon devenir plus sombre d'un côté. Ça glisse au-dessus de nous et là, on sent que l'horizon est un petit peu plus brillant au loin parce que là-bas, c'est encore éclairé par le soleil. Éventuellement, l'ombre de la Lune qui continue de décaler tranquillement et l'horizon du côté ouest qui devient de plus en plus lumineux jusqu'à ce que finalement, on soit rebaigné par la lumière du soleil. Wow! Je savais pas ça. Ouais. Il y a certaines séquences qui ont été filmées par des drones ou des ballons assez hauts en altitude qui montrent ça encore plus, de façon encore plus spectaculaire. Bon, okay. Alors voilà. Tout à propos des éclipses, c'est impressionnant. Excellent. Pour les autres questions, je vais lui répondre par chat pour des références. Voilà. Parfait. Bon, mais je vais avancer où j'étais. Donc, parfait, on a vu celle de 2017 au planétarium. Maintenant, revenons à notre autre type d'éclipse. Donc, si c'est pas partiel, si c'est pas total, qu'est-ce que c'est? La réponse annulaire. Alors, donc on va réanalyser nos ombres qu'il y a derrière la Lune. Donc, comme on a vu plus tôt, on a l'ombre foncée directe derrière la Lune, qui est l'ombre. On a l'ombre plus pâle sur les côtés, qui est la pénombre. Mais voyez-vous celle qui est derrière l'ombre? Ben ça s'appelle l'anti-ombre. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est vraiment le terme pour ça. Je trouve ça fascinant. J'avais jamais entendu ça, anti-ombre, avant de lire plus sur les éclipses. J'adore ce nom, c'est ma petite découverte des dernières semaines. Donc, lorsque la Terre va être dans l'anti-ombre, bien c'est là qu'on va pouvoir voir des éclipses annulaires de Soleil. Donc, au centre, c'est ici qu'on va voir les éclipses annulaires. Donc, c'est la zone d'annularité. Et autour de cette zone d'annularité, bien, il y a la zone de partialité.
Donc, comme on a vu, les éclipses annulaires, donc c'est lorsque la Lune va être devant le Soleil. Donc, les deux sont très bien parfaitement alignés, mais la Lune semble plus petite par rapport au Soleil, donc elle n'arrive pas à le couvrir totalement. Et on va voir quels sont les facteurs qui vont venir jouer là-dedans et pourquoi parfois, même si tout est bien aligné, ce n'est pas les éclipses totales qui se produisent, mais des éclipses annulaires. Donc, comme Maxime l'a mentionné tantôt un peu plus tôt, l'orbite de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas un cercle parfait, c'est une orbite elliptique, donc un petit peu allongée. Donc, ça va faire en sorte que la distance entre la Terre et la Lune n'est pas toujours la même, tout dépendant si la Lune, elle est ici, là, là ou là, ou encore particulièrement ici. Donc, lorsque la Lune, elle est à son point le plus éloigné de la Terre dans son orbite, eh bien, elle paraît plus petite dans le ciel. Donc, lorsqu'elle est plus loin de la Terre, eh bien, la Lune paraît plus petite dans le ciel et donc, elle n'arrive pas à parfaitement masquer au complet le disque solaire lors d'une éclipse. Sauf que l'orbite de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas la seule orbite à être elliptique ici. Non, en fait, l'orbite de la Terre autour du Soleil est elle aussi une ellipse. Donc, encore une fois, c'est pas à l'échelle, c'est exagéré pour vous montrer. Et donc, lorsque la Terre se trouve cette fois-ci plus près du Soleil, dans son orbite, bien le Soleil, à son tour, lui, il va paraître plus gros dans le ciel. Donc, la Lune n'arrive pas à tout le cacher parce que le Soleil, il est un petit peu plus gros. Tu n'arrives pas à voir la différence à l'œil nu, là. Mais pour des phénomènes très précis comme les éclipses, ça fait une énorme différence. Donc, ça va être le fait que l'orbite de la Lune est elliptique, l'orbite de la Terre est elliptique, un ou l'autre, peut-être un mélange des deux, qui fait en sorte que parfois, on a des éclipses annulaires et non pas des éclipses totales de Soleil. Alors, dans le ciel, de quoi ça a l'air? Donc, une éclipse annulaire, eh bien, on voit vraiment un anneau de soleil dans le ciel qu'on va surnommer un anneau de feu. Et donc, comme il y a une partie du soleil qui n'est pas couverte par la Lune, donc on se souvient, il ne faut pas l'observer à l'œil nu, mais avec des méthodes bien précises pour pas dommager nos yeux. Alors, c'est un petit peu de ça que ça a l'air, une éclipse annulaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer donc le 10 juin prochain, dans 2 semaines, il va y avoir une éclipse annulaire. Donc, les régions sur Terre où on peut voir l'éclipse annulaire, contrairement à l'éclipse totale qu'on avait la bande de totalité, pour une éclipse annulaire, on a une bande d'annularité. Donc, on voit ici la bande d'annularité qui part du Canada, qui va vers le pôle Nord, qui sera en fait jusqu'en Sibérie. Donc, si on regarde un peu plus vers le Québec, de quoi ça a l'air? Donc, vers le sud du Québec, nous, on va pouvoir voir seulement l'éclipse partielle, mais quand même une bonne partie du soleil qui est cachée. Et si on veut voir l'éclipse annulaire, dans ce cas-là, il va falloir aller plus vers le nord du Québec ou au Nunavut, donc beaucoup plus au nord. Donc, pour avoir plus d'informations sur de quoi l'éclipse va avoir l'air de chez vous, donc, vous pouvez aller sur le site d'espacepourlavie.ca/éclipse et donc il y a plein d'informations non seulement sur le phénomène des éclipses, mais particulièrement sur l'éclipse du 10 juin. Donc, il y a des tables pour vous dire en fonction de votre ville à quelle heure l'éclipse va avoir lieu. Il y a même un dessin comme ça qui nous montre de quoi l'éclipse va avoir lieu à son maximum, tout dépendant de la ville où vous êtes. Donc, par exemple, donc à Montréal, on peut voir ici qu'à son maximum, qui est à 5h39 du matin, et oui, va falloir se lever tôt, hein? Donc, presque 79% du soleil va être caché par la Lune, donc un beau croissant de soleil. Tandis que si on veut voir une éclipse annulaire, il va falloir aller plus au nord, donc vraiment dans le nord du Québec, comme ici à Inukjuak, où on voit une éclipse annulaire. Donc, on voit un très bel anneau de feu ici autour de la Lune. Donc, dans la bande d'annularité, donc comme on a dit,
on a ce qu'on appelle le premier contact, le C1 qu'on voit ici sur l'image. Donc, c'est le moment où l'éclipse commence. Donc, le premier contact entre le Soleil et la Lune. Donc, éventuellement, il y a le deuxième contact ici. Donc, ça, c'est le moment où la phase d'annularité commence. Le maximum, le C3, le troisième contact ici, c'est lorsque l'éclipse annulaire finit, mais on est encore en phase partielle. Et le quatrième contact, donc le dernier contact, lorsque l'éclipse est finie et le Soleil revient. Une belle grosse boule comme on est habitué de la voir. Donc ça, c'est pour dans la bande d'annularité, mais pour, comme peut-être j'imagine la plupart des gens qui nous écoutent ici, ou en tout cas moi, à Montréal, ou vers le sud du Québec, donc on va voir plutôt notre éclipse partielle. Donc ici, je vous inscris les heures de Montréal, mais encore une fois, tout dépendant de votre ville, les minutes vont varier, mais ça reste, peu importe où vous êtes au Québec, ça reste très tôt au lever du soleil. Donc, l'éclipse commence à 4h43 du matin, mais le soleil se lève seulement à 5h10. Donc, en fait, dès le lever du soleil, l'éclipse va déjà avoir commencé. Donc, on va déjà voir le soleil qui manque un petit bout et éventuellement, on va voir un beau croissant de soleil. Le maximum va être à 5h39 le matin et ça va durer jusqu'à 6h38. Donc, comme on dit, les éclipses appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. En tout cas, ça va être dans le cas du 10 juin, c'est la vérité. Comment on peut faire maintenant là, pour observer les éclipses? Donc, si vous êtes motivé de vous lever comme moi et que vous voulez voir l'éclipse, donc comment on peut faire ça? Alors, donc c'est important de ne pas regarder le soleil à l'œil nu, ça je ne vais jamais le dire assez souvent. Donc, on n'observe pas à l'œil nu et encore moins pendant une éclipse parce qu'on a tendance à regarder de façon fixe le soleil pendant une éclipse parce qu'on veut la voir. Et des lunettes de soleil, ce n'est pas une protection suffisante. Même s'ils sont polarisés ou quoi que ce soit et très cher, ça reste pas une bonne manière d'observer le soleil, ni à travers des jumelles, certainement pas en fait, à travers des jumelles, ni à travers un télescope ou à travers, par exemple, le petit trou pour regarder dans votre appareil photo, ce n'est pas non plus une manière d'observer le soleil de façon sécuritaire. Donc, la façon la plus simple de le voir, ça va être avec des systèmes de projection, en fait. Donc, comme par exemple faire un trou dans un bout de papier et tenir votre papier et vous allez voir, donc, dans le petit trou, à travers le petit trou, il va y avoir une image du soleil qui va se former de l'autre côté. Et lorsque l'éclipse partielle va commencer, bien, votre soleil va se transformer en petit croissant. Donc, ça fonctionne très bien. Vous pouvez prendre une passoire à spaghettis et la soutenir comme ça. Et la lumière du soleil va passer à travers. Et en dessous, vous pouvez mettre, par exemple, un carton pour bien voir. Et vous allez voir plein de petits croissants à travers les trous. Donc, en regardant comme ça, c'est une manière sécuritaire d'observer une éclipse partielle. Si vous avez une paire de jumelles, bien vous bouchez une des deux lentilles et vous pouvez utiliser le même système de projection. Donc, vous tenez votre, comme sur l'image, là, donc vous mettez un petit carton en dessous et vous arrivez à bien voir votre éclipse. Oui, Maxime? Myriam, ouais. Donc, la méthode par trou, dans le fond, le grand classique qu'on entend tout le temps, c'est la boîte de chaussures, la boîte à souliers. C'est le même principe dans le fond. Donc, on fait un trou d'un côté de la boîte à souliers et en pointant ce trou-là vers le soleil, dans le fond de la boîte à souliers, il va avoir l'image du soleil qui va se projeter. Et là, il faut faire une petite fenêtre sur le côté de la boîte pour être capable de voir à l'intérieur. Oui, exactement. En fait, vas-y. Ben, attends, c'est en train de... me fabriquer moi-même en ce moment mon outil à observer les éclipses. Alors, j'ai détaché une feuille. Il y a trois trous. Uh-huh. Donc, si je prends ma feuille et disons que vous êtes le soleil, et je prends ma feuille, donc la lumière du soleil va arriver à travers mes petits trous que vous ne voyez sûrement pas, mais c'est pas grave. Et je vais mettre, par exemple, un carton derrière. Et la lumière qui va passer à travers les trous de ma feuille vont faire des petits croissants. Et en fait, ça va me montrer la progression de l'éclipse partielle. Donc, seulement avec une feuille trouée,
Et s'il n'y a pas déjà des trous, vous pouvez faire un trou vous-même en perçant un trou avec un crayon et ça va fonctionner. Donc, il y a vraiment là, à tous les budgets possibles, on peut observer une éclipse partielle. Ce qui est le fun aussi, c'est que n'importe quoi qui a des trous, dans le fond, ou qui laisse passer que quelques fins rayons de soleil, ça va pouvoir faire ça. On le voit même avec la végétation quand on est sous une éclipse de soleil. La lumière qui traverse les feuilles, le feuillage, tout ça, ou les épines d'un arbre, etc. On réalise que les formes qui sont générées par cette lumière-là qui traverse ces milliers de petits trous, c'est toutes des petits croissants ou des petits anneaux ou des petites éclipses comme ça. Alors que d'habitude, c'est toutes des ronds, mais puisqu'ils s'empiètent les uns sur les autres, on réalise pas toujours que c'est des ronds. Mais voilà, c'est des petites projections de soleil. Il y a beaucoup de questions sur les filtres appropriés, sur les méthodes, tout ça. On a mis des liens avec Martine, donc qui les publie sous le nom d'Espace pour la vie. Donc, le lien vers la section Éclipse du site espacepourlavie.ca. Il y a plein de références qui sont là. On va continuer de vous les mettre de l'avant, mais absolument, il faut y référer pour garder donc une bonne observation sécuritaire. Les filtres solaires, effectivement, il y a toutes sortes de trucs de grand-mère ou de grand-oncle ou etc. C'est très important de faire attention puis de suivre les indications que vous pourrez trouver sur ce site. Oui, je me fais souvent demander si les gens, par exemple, parfois, ils ont des filtres UV pour mettre sur leur télescope ou des choses comme ça. Donc, un filtre UV ou peu importe, ce n'est pas, si c'est pas écrit un filtre solaire qui bloque 99,9% de la lumière, ce n'est pas quelque chose pour observer le soleil directement avec. Donc, pour vous donner une idée, là, donc ici, sur nos petites lunettes, on a des filtres solaires et on dirait qu'il n'y a rien qui passe à travers. En ce moment, je vois absolument rien, même si je fais face à mon projecteur de lumière là, qui est très, très brillant. Je ne vois absolument rien. Donc, c'est normal. Vous allez voir un filtre solaire, ça laisse vraiment presque rien passer. Et d'ailleurs, parlant de petites lunettes comme ça, qui sont très pratiques pour observer les éclipses, pour observer les éclipses, on devra en distribuer au planétarium. Donc, pour s'en procurer, on va en distribuer gratuitement au planétarium. Donc, ça va être normalement à partir du mois de juin. Donc, vous pourrez passer, c'est gratuit, c'est à la billetterie du planétarium pendant les heures d'ouverture. Donc, vous pouvez récupérer votre paire de lunettes à éclipse. Et je sais qu'il va aussi en avoir dans les bibliothèques des arrondissements de la ville de Montréal, mais c'est sûr qu'eux, ils ont moins de quantité de lunettes à éclipse. Donc, à vérifier peut-être avec votre bibliothèque, peut-être les contacter pour être certaine qu'ils en ont encore avant de vous déplacer juste pour ça. Mais sinon, au planétarium, nous, vous pourrez venir récupérer votre paire de lunettes à éclipse pour observer l'éclipse de chez vous. Donc, normalement, comme je l'ai dit, c'est à partir de début juin qu'on va commencer à les distribuer. Mais pour plus d'informations, pour être certain qu'on a commencé la distribution, vous pouvez toujours rester à l'affût sur nos médias sociaux d'Espace pour la vie et peut-être notre site web aussi. Alors, au planétarium ou dans les bibliothèques de la ville de Montréal, il va y avoir des distributions de lunettes à éclipse. Donc, ça, c'est les places où vous pourrez vous en procurer. Alors, et pour plus d'informations, donc, comme on l'a dit, là, sur le site d'Espace pour la vie, on a fait une belle section à éclipse juste pour vous. Donc, espacepourlavie.ca/éclipse. Et sinon, il y a aussi une autre belle source d'informations. C'est le site de À la découverte de l'univers, une section sur les éclipses. Et il y a même ce qu'ils appellent le défi éclipse, donc avec plein de manières amusantes et sécuritaires d'observer l'éclipse. Alors, je vous invite aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur cette page-là. Ils vous montrent plein de manières de l'observer, entre autres avec une spatule pour observer l'éclipse. Donc, c'est une autre belle ressource pour tout ça. Et là, comme le temps file, on va aller voir rapidement un petit aperçu de quoi ça va avoir l'air dans le ciel le 10 juin, à quoi s'attendre. Donc, on va aller voir, je vais arrêter mon partage d'écran et vous partager une autre partie de mon écran, cette fois-ci avec mon
fidèle logiciel Stellarium, qui est mon logiciel que j'utilise. C'est un logiciel gratuit qui permet de reproduire, en fait, le ciel étoilé à n'importe quel moment et de n'importe où sur Terre. Alors, j'ai le ciel de Montréal ici. Donc, on regarde un petit peu vite, vite de quoi ça a l'air. Donc, dans le ciel de Montréal. Donc, après le coucher du soleil, là, si vous voyez tout d'abord un beau point brillant, ça va être Vénus. Et peut-être que vous allez voir arriver à voir Mercure qui est à côté, qui va bientôt disparaître car elle sera trop près du soleil. Et donc, on peut voir Vénus après le coucher du soleil et Mars qui va commencer à apparaître aussi, qu'on peut voir en première moitié de nuit ici, comme le point orange qui est là. Et d'ailleurs, sur Mars, justement, Mars, elle a deux lunes, Phobos et Déimos, mais c'est des petites lunes. Donc, sur Mars aussi, en fait, on arrive à voir des éclipses. Mais comme ces lunes sont trop petites, eh bien, ça fait nécessairement des éclipses annulaires de soleil. Donc, il ne peut pas avoir d'éclipse totale sur Mars. D'ailleurs, Maxime, je pense qu'on avait une petite vidéo pour montrer. Regardez, on voit ici une petite animation faite à partir d'images prises par l'astromobile Curiosity de la petite lune Phobos qui passe devant le soleil vue de Mars. Donc ça, c'est de quoi ça a l'air une éclipse sur Mars. Si maintenant on revient ici sur Terre, donc on pouvait voir comme on a vu les planètes. Donc on avait Vénus après le coucher du soleil, Mars jusqu'aux environs d'environ 23 heures. Et plus tard, pendant les petites heures du matin, si on regarde vers l'est, eh bien, il va y avoir deux planètes qui vont apparaître, donc Jupiter et Saturne, qui vont faire leur apparition dans le ciel des petites heures du matin. Donc Saturne en premier et Jupiter par la suite. Et d'ailleurs, Jupiter qui a vraiment beaucoup de lunes, et bien sûr, Jupiter aussi, en fait, on pourrait voir des éclipses si on pouvait s'y poser, en fait. Malheureusement, c'est une géante gazeuse. Mais si j'avance le temps, là, on va aller voir au 10 juin. Donc, ceux qui s'amusent à observer Jupiter au télescope ou peut-être même la photographie, parfois, sur Jupiter, donc, on a la grande tache rouge ici qui est une tempête dessus, mais des fois, il y a des points noirs qui apparaissent. Et ça, c'est en fait, c'est l'ombre d'une des lunes de Jupiter. Dans ce cas-ci, c'est l'ombre de son satellite, de sa lune galiléenne, Io, qui est ici qu'on peut voir sur la gauche. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, l'ombre va se déplacer au fur et à mesure que tout ça bouge. Et donc, si on était, disons, à la surface de Jupiter, directement sous cette ombre-là, on verrait une éclipse. Mais là, les lunes galiléennes de Jupiter sont beaucoup plus grosses que la taille du Soleil dans le ciel. Donc, elles bloqueraient une trop grosse partie du Soleil et bloqueraient, en fait, la couronne solaire. Donc, ce serait une éclipse, mais pas comme les éclipses totales qu'on a sur Terre. Nous, on a vraiment le juste milieu. Et d'ailleurs, donc là, je nous ai avancé au 10 juin, pas par hasard, mais parce que c'est la journée de notre éclipse solaire. Donc, qui commence? Donc, le lever du soleil est à 5h10, mais on s'entend qu'il faut avoir un horizon très, très dégagé pour la voir. Donc, si vous voulez l'observer, essayez de repérer près de chez vous des endroits où il n'y a pas trop d'immeubles, où vous pouvez voir un horizon est assez bien dégagé pour voir le lever du soleil ou du moins les minutes après. Donc moi, je vais, par exemple, avancer un petit peu le temps pour que le soleil sorte des buissons. Ici, on va voir de quoi ça a l'air. Donc, dès que le soleil va se lever, ça va déjà être un croissant de soleil, comme ça qu'on peut observer. Et au fur et à mesure que le temps va avancer, donc la Lune va être près du soleil, avec un maximum autour de 5h38, 5h39. Et après, tranquillement, pas vite, la Lune se tasse, le Soleil monte dans le ciel. Et on va voir comme ça, donc le Soleil qui monte et éventuellement
Donc, la Lune va s'être complètement tassée du chemin. Et à 6h39 ici, donc l'éclipse va être terminée. Alors, si vous êtes motivé, je vous invite à essayer de commencer à faire votre repérage pour voir près de chez vous où vous pourrez voir le lever du soleil le 10 juin. N'oubliez pas aussi de regarder la météo et de peut-être prévoir de vous déplacer ailleurs si le cœur vous en dit pour voir l'éclipse et vous procurer vos lunettes pour la voir de façon sécuritaire. Et sinon, je peux pas vous parler d'éclipse sans vous dire que dans pas très longtemps, il va y avoir une éclipse totale qu'on va pouvoir voir du Québec. Et ça va être en 2024. Et oui, en fait, le 8 avril 2024, il va y avoir une prochaine éclipse totale en Amérique du Nord. Et donc, elle va traverser les États-Unis, mais aussi une partie du sud du Canada. Donc, pour vous montrer un petit peu rapidement la bande de totalité. Donc, voilà un peu de quoi ça va avoir l'air. Donc, on peut voir ici la bande de totalité qui traverse les États-Unis et une petite partie du Canada. Et plus particulièrement, donc à Montréal, on est à la limite de la bande de totalité. Mais Sherbrooke va être vraiment direct dedans. Donc, voir une belle éclipse totale pendant plusieurs minutes. Malheureusement, Québec sera pas dans la bande de totalité, mais dans la bande de partialité. Mais bref, à suivre pour mettre ça à votre agenda. Déjà, là, le 8 avril 2024, c'est la prochaine éclipse totale qu'on peut voir depuis le sud du Québec. Alors, voilà pour nos prochaines éclipses. Maxime, avions-nous des questions que ça vaudrait la peine qu'on réponde de vive voix? Oui, salut Myriam. Il y a Martine elle-même qui posait la question, si on habite Québec, comment qu'on fait pour trouver des lunettes d'éclipse? Hein? Parce que nous, on parle qu'on va en distribuer au planétarium à partir du début du mois de juin. À Québec, je connais un magasin d'astronomie, et là, je sais pas si je suis censé pouvoir faire de la publicité à un magasin d'astronomie, mais il y a un magasin d'astronomie à Québec qui, j'imagine, devrait avoir ça. Donc, vous pouvez vous informer. Si vous tapez « magasin astronomie Québec » sur Google, vous allez probablement trouver quelque chose par rapport à ça. Mm-hmm. Ensuite, souvent, dans les librairies, on peut retrouver ça. Donc, faut voir, faut s'informer. C'est pas toutes les librairies nécessairement qui en tiennent. Les tabagies, ça peut être une option aussi. Donc, moi, c'est pas mal ça que je connais. Je sais pas, toi, Myriam? Moi, malheureusement, je viens de la région de Montréal. Donc, à part la Maison de l'astronomie à Montréal et lire la nature à Longueuil, c'est pas mal là que s'étendent mes connaissances en termes de magasins d'astronomie. C'est sûr que... Bon, puisqu'on nomme des magasins d'astronomie, je peux dire que je connais aussi le naturaliste, le naturiste. Il faut faire attention avec le nom de ce magasin-là. mais je vais le retrouver. En tout cas, ça sonne comme ça, là. Magasin d'astronomie et de passe-temps, donc de hobby, comme ça ici, du côté de Québec. Mais voilà, probablement, je connais certains astronomes amateurs qui sont avec nous aussi dans le fil de discussion qui peut-être pourront renchérir si jamais ils ont d'autres références. Des fois, tu sais, il y a des manières aussi, on peut en commander sur Internet, il y a des magasins qui peuvent les livrer, mais là, après, il faut voir c'est quoi le délai de livraison. Et je vais juste vous rappeler, si jamais vous avez l'occasion de vous procurer, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec, des petites lunettes comme ça, là. T'sais, certes, c'est en carton et on dirait des lunettes jetables, mais le filtre n'est pas... il n'y a pas une date d'expiration dessus. Il ne va pas plus être bon dans un an. Donc, si vous trouvez des lunettes pour cette année, ça vaut la peine de les garder précieusement pour les prochaines années, pour les prochaines éclipses. Donc, mettez-les bien en sûreté dans un tiroir, puis vous pourrez les réutiliser les prochaines fois aussi. Dans un tiroir, il est protégé dans le tiroir aussi, parce que si on abîme les filtres, il faut faire toujours très, très, très attention avant d'utiliser ces lunettes-là, de vérifier l'état des filtres, s'assurer qu'il n'y a pas de
ponctuation, qu'il n'y a pas de d'égratignure, etc. Que ça n'a pas décollé, ainsi de suite. Et oui, il y a Alain Vézina qui est astronome amateur en chef du club d'astronomes amateurs de la SAPEM, associé au planétarium, qui me fait penser que des clubs d'astronomie amateur, des fédérations d'astronomes amateurs, etc., c'est des bonnes ressources aussi pour avoir des moyens d'observation, donc pour obtenir des renseignements sur comment obtenir des filtres solaires, des lunettes, etc., mais aussi savoir s'il y a des activités organisées dans sa région d'observation. Si on n'a pas accès à un télescope solaire avec des filtres qui sont spécialement designés pour faire l'observation du soleil, mais il y a bon nombre d'astronomes amateurs qui en ont, qui font souvent des activités d'initiation du public pour partager ça et permettre l'observation du soleil. Nous-mêmes, là, on a peut-être quelque chose qui s'en vient. On peut pas encore faire d'annonce officielle, mais bon, peut-être qu'on pourra reprendre des observations avant longtemps. C'est sûr qu'en ce moment, la situation sanitaire fait en sorte qu'il faut faire attention à se coller l'œil à un oculaire ou ce genre de choses-là, mais ou se rassembler. Mais donc, surveillez ça. Peut-être qu'on pourra bientôt vous annoncer des activités d'observation et peut-être voir le soleil. On fait l'observation durant les éclipses, mais aussi les étés passés au planétarium. On avait toujours des télescopes solaires devant le planétarium où on peut observer les protubérances, les taches solaires, l'évolution du soleil, comme ça. Oui. Donc, à suivre, peut-être lorsqu'on pourra... Lorsque la situation sanitaire ira mieux, mais c'est déjà un début parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement la dernière journée de couvre-feu. À partir de demain, on pourra ressortir, observer les étoiles plus tard que 9h30 et se lever, sortir plus tôt que 5h pour se préparer adéquatement pour l'éclipse du 10 juin. Donc, ça tombe très bien. On est bien contents. Qui aurait cru que c'était l'heure limite de 5 heures du matin qui allait nous embêter? Mais oui. J'avoue qu'en avec l'approche de l'éclipse, on commençait à stresser avec le 5 heures du matin. Nous autres. Voilà. Parfait. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions pour aujourd'hui? Mais avec l'heure qui avance, je pense qu'on va conclure là-dessus aujourd'hui. En plus qu'aux dernières nouvelles, c'était 2-0 pour Montréal. Donc, finalement, c'est pas... Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Maxime. Merci à Martine aussi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés en direct ou de nous réécouter en rediffusion. Donc, le thème de la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, on va parler plus particulièrement du ciel d'été. Parce que, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pardonnez-moi, la prochaine capsule, ce sera une capsule sur le ciel d'été parce que ça va être notre dernière capsule pour un petit bout. Et oui, on va prendre une pause pour l'été. Je pense que tout le monde, on va vouloir sortir dehors et être un peu moins devant nos écrans. Donc, la prochaine capsule sera la dernière avant la pause des vacances et avant de recommencer à l'automne prochain. Donc, on va se concentrer justement la semaine prochaine sur l'observation du ciel, qu'est-ce qui nous attend pendant l'été, les constellations, les éphémérides et tout ça. Et si jamais vous avez des constellations favorites d'été que vous voulez qu'on parle ou des choses par rapport au ciel que vous voulez qu'on montre, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je vais essayer d'organiser la prochaine au-dessus de nos têtes pour parler de votre constellation favorite si vous voulez. Alors, ouais, puis bon, on va essayer de rester dans le thème, là, non, mais on a bien de la misère à refuser n'importe quelle question, même si c'est pas dans le thème. Donc, si vous avez une question qui n'est pas spécifiquement par rapport au ciel d'été, ben, vous pouvez prendre la chance d'essayer de la poser, puis il y a des bonnes chances qu'on en parle. Oui, exactement. Bon, ben merci beaucoup, Maxime. Merci tout le monde. Et on se revoit dans 2 semaines pour le Au-dessus de nos têtes, la thématique ciel d'été. Alors, d'ici là, ben j'espère que vous aurez pu observer l'éclipse partielle de soleil et je vous souhaite de belles observations et à dans 2 semaines!